suis injecté des choses dans le corps que je connaissais même pas. J'ai sniffé et avalé jusqu'à en devenir complètement accro, presque mort. C'est pour vous, rien que pour vous que je l'ai fait. Pour votre respect et votre amour. Je me suis affamé, desséché même. Jusqu'à ce que je puisse même plus avaler une gorgée, garder une bouchée. J'ai souvent pensé, est-ce la fin? Quand tu as tout perdu, il ne te reste plus que ton corps. C'est ta seule et unique possession. C'est aussi l'histoire d'espoir et désespoir. Elle me permet de vivre. Elle, qui n'a pas beaucoup de futur, a de l'espoir. Et lui, qui en a plein, n'en a pas. Je trouve ça aussi très important pour le film. Mais aussi en même temps, je voulais faire un film d'amour, d'amour fou quelque part même, tu vois, parce qu'il veut se marier tout de suite et tout ça, il est complètement dingue, elle est un peu, tu vois, elle prend un peu de distance, mais en même temps quand même, elle tombe, elle peut pas s'arrêter de tomber en amoureux, mais en même temps je voulais aussi donner une atmosphère dans le film, que tu te sens mal comme spectateur, mais l'angoisse est un élément très important dans le film aussi, et je parle de l'amour, mais l'angoisse est du même niveau, avec la lumière ou le décor ou la musique, où j'essaye de créer une certaine angoisse, même si on ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne voulais pas l'expliquer, mais je voulais vraiment... Il tombe amoureux et tout à coup, tu entends de la musique et de l'atmosphère, l'autre musique qui part, et que tu dis, hey, les gars, c'est peut-être pas le bon moment, là, tu vois. Ce n'est pas simplement un film d'amour, mais c'est un film qui va dans beaucoup de côtés, aussi dans la mort. Et je me suis basé sur la littérature romantique, où en fait, l'amour et la mort se croisent et qui finissent toujours en tragédie, en drame. J'ai voulu faire aussi un film positif, même si la tragédie ou l'histoire finit mal. Elle finit mal pour qui ça devrait finir mal quelque part aussi. Tu vois, il y a quand même pas. Il est dans une dead end street, hein, un rue, comment c'est ça? Oui, un cul-de-sac. Cul-de-sac. Mais pour elle, elle a un catharsis à la fin quelque part pour moi. Elle va continuer sa vie complètement différent après celle-là. Elle va avoir la peine pour toute sa vie, mais en même temps, elle va faire une autre vie. Ben, oh, Vincent, premier j'ai vu Le Monde nous appartient. Et quelque part, c'est comme un trigger. Tu vois, et je dis, oh, oui, chouette mec, mais ça revient tout le temps, ça trigger. Et après, je vois Deep End de nouveau, je dis, Ça va, vous êtes bien ici avec ton mari? Toi, heureuse ici? Ça a l'air de quelqu'un timide, émotionnel, quelqu'un qui a eu très mal dans sa vie. Il y a quelque chose dans lui qui fait pleurer presque. Et en fait, ça me plaisait. Mais j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui allait bien avec le personnage comme moi je le voyais. Et j'ai rencontré Fatou ici à Bruxelles. Alors elle entre ravissante, sûre d'elle. Mais vraiment, parce que Bruxelles était un peu timide. Mais là, elle était, tu vois, je vais me prendre, je vais avoir ce truc, je vais le faire, le film. Et Vincent était... Il était impressionné. Oui, et waouh. Vraiment, tu vois, elle se met à côté de lui, presque tombé. Alors, c'était clair. Comme le personnage. C'était clair, quoi. C'était clair que... Et aussi, ce que j'aime avec elle, elle est exubérante et dehors du cinéma. Mais dans le film même, elle n'a pas besoin de beaucoup de choses pour s'exprimer. Tu la vois et tu la comprends.